Les fantômes dans mon titre, fantômes du spiritisme dans la littérature, sont de trop parce que je veux vous parler du 19e siècle et on sait qu'à partir de la moitié du 19e siècle, les fantômes ont tendance à être remplacés par les esprits. Avec le spiritisme, le revenant, c'est-à-dire le mort censé revenir dans le monde des vivants, ne se manifeste plus sous la forme d'une apparition, d'une vision, d'un fantôme ou d'un spectre. Fantôme et spectre sont deux mots qui renvoient à la vision. Ils viennent de fantasma et de spectrum, qui veut dire la vision. Mais le revenant se manifeste par des coups, des raps, un discours qu'il dicte par étapes. Le fantôme parle, il devient une voix d'outre-tombe, la voix supplante la vision. Mais le spiritisme ne correspond pas seulement à un changement d'aspect du revenant, il correspond aussi à une transformation beaucoup plus importante. Avec le spiritisme se produit une véritable révolution dans la relation de l'humanité à l'au-delà. Le terme de révolution est d'ailleurs utilisé par Huysmans, qui écrit dans Là-bas, le spiritisme a violé le seuil de l'inconnu, brisé les portes du sanctuaire et opéré dans l'extranaturel une révolution semblable à celle qu'effectua dans l'ordre terrestre 1789 en France. Quelle est cette révolution? Jusqu'alors, et le cas des nécromanciens reste mis à part, les vivants étaient restés plutôt passifs par rapport aux fantômes, subissant l'apparition de revenants qui les visitaient de façon aléatoire. Certes, les vivants souhaitaient voir des fantômes, mais les fantômes se manifestaient à leur gré, quand ils le voulaient. Avec l'arrivée du spiritisme, dans les années 1850, un renversement s'opère. Les vivants ont désormais un rôle actif. Ils peuvent appeler les morts et les faire parler au moment où eux, les vivants, les désirent. Les fantômes ne s'invitent plus. Ils sont invités à la table tournante des vivants. Avant d'entrer en matière, si on peut dire, j'aimerais juste faire un petit bilan des dernières recherches sur la question. Le spiritisme est revenu sur le devant de la scène ces 15 dernières années à travers un certain nombre d'expositions et de publications. L'exposition de la Maison européenne de la photographie consacrée à la photographie spirit, le troisième œil, en 2004. L'exposition de Strasbourg, l'Europe des esprits, en 2011. L'exposition « Entrée des médiums, spiritisme et art » de Hugo à Breton, à la Maison Victor Hugo, en 2012 et 2013. Et l'essai de l'historien Guillaume Cuchet, « Les voies d'outre-tombe, table tournante, spiritisme et société au XIXe siècle » paru au Seuil en 2012. Ce livre est une étude très complète du spiritisme, sa genèse, ses différentes formes, la doctrine qui le sous-tend, le développement du mouvement en Amérique et en Europe, s'est démêlé avec l'Église, et je ne peux que renvoyer à cet ouvrage magistral. Donc Guillaume Cuchet, Les voies d'outre-tombe. Avec son essai historique, Guillaume Cuchet a fait quelque chose de comparable à l'ouvrage qu'il faut évidemment citer ici, L'histoire du spiritisme, The History of Spiritualism, que Conan Doyle a publié en 1926 et dans lequel il présente la naissance du spiritisme, son évolution en Amérique et en Europe, et dresse le portrait d'un certain nombre de spirites, Home, les frères Davenport, Crookes, et de médiums qui ont marqué le mouvement à la fin du XIXe siècle et jusqu'à la guerre de 14-18. Je ne vais pas parler ici de cet ouvrage, car il en a été question avant-hier dans l'intervention par vidéo d'Yves Lignon, et hier soir, ceux qui ont été au très beau spectacle auquel nous avons assisté, ont entendu des passages lus par Catherine de Morière, des passages de l'histoire du spiritisme de Conan Doyle. Ce que je me propose, c'est d'étudier quelques manifestations du spiritisme dans le domaine de la littérature,
plus précisément dans la littérature francophone du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle. Je m'intéresserai successivement à des textes censés reproduire le discours posthume d'écrivains dictés par les tables tournantes, à des fictions mettant en scène le processus de la dictée par les tables, et surtout à des œuvres qui font la satire du spiritisme, en se moquant des voiles de l'au-delà et en pastichant le discours posthume des écrivains. Avant d'entrer en matière, avant d'entrer dans le vif du sujet, je rappelle brièvement comment le spiritisme est né et en quoi il consiste. Les spécialistes de paranormal, et il y en a dans cette salle, de parapsychologie et du fantastique, excusez, mais c'est pour le public un peu plus profane. Vous ne savez pas que tout commence en 1848 dans le village de Hinesville, État New York, où les sœurs Fox, Margaret, 14 ans, et Kate, 11 ans, qui entendent des coups mystérieux, des raps, frappés dans les cloisons et les meubles de la ferme qu'habite leur famille. Elles ont l'idée de répondre à ces coups en frappant dans leurs mains et elles instaurent un alphabet, frappé N coup pour telle réponse, etc., qui leur permet d'apprendre qu'elles communiquent avec l'esprit d'un colporteur assassiné dans leur maison par un précédent locataire et enterré dans la cave où des ossements sont en effet retrouvés. L'expérience des sœurs Fox est ébruitée, les foules affluent à leur domicile et les deux sœurs effectuent elles-mêmes des visites dans lesquelles elles font la démonstration de leur capacité à communiquer avec les esprits de personnes décédées. Dans le milieu méthodiste auquel les Fox appartiennent, ces pratiques font scandale et la famille est obligée de déménager à Rochester où les rapes les suivent. Leur sœur Léa Fish, jeune veuve âgée d'une trentaine d'années, prend dès lors en main le destin de Margaret et Kate Fox et se met à exploiter commercialement leur capacité médiumnique. Le central de consultation Spirit, Fox et Fish est ouvert. À partir de février 1850, la communication par le moyen des tables est introduite et de nouveaux phénomènes interviennent, bruit étrange, fluide devenu visible, c'est le phénomène de matérialisation, qui sont accueillis évidemment avec des doutes et font polémique. Mais malgré les polémiques, les adeptes du spiritisme sont de plus en plus nombreux. Ils seront 3 millions en 1854. Ils se regroupent en sociétés, publient des brochures et des journaux, organisent des congrès, etc. Dès 1852, des missions américaines font connaître le spiritisme, d'abord en Angleterre, puis en Allemagne et en France, où le phénomène atteint son apogée en 1853. Cette année est celle où Victor Hugo, comme on le verra, fait parler les tables à Jersey, mais la famille Hugo fait partie des centaines de milliers de foyers français qui font tourner les tables, qui font les tables, comme on disait. Louis Figuier parle d'une épidémie tournante, mais déjà à l'époque, Alexandre Herdan remarquait « Pendant près d'une année, Paris et la France furent occupés à faire tourner les tables. Ce fut une monomanie universelle. Bref, la table parlante fut l'événement caractéristique de l'année 1853, le point de mire de tous les esprits. » Alors, je ne sais pas si Herdan joue sur les mots, hein, « le point de mire de tous les esprits », de toutes les pensées et de tous les esprits qui pouvaient hanter les tables. Faire tourner les tables, faire les tables, devient une sorte de jeu de société, un jeu qui se pratique dans toutes les couches sociales, dans les salons aristocratiques et bourgeois, mais aussi dans les milieux populaires et ouvriers. Je ne vais pas m'étendre ici sur les dispositifs et les protocoles du spiritisme, mais juste rappeler que les séances s'organisent généralement autour d'une table ronde sur laquelle les assistants posent leurs mains
ou un doigt et qu'il questionne, que la dame répond par des coups frappés par ses pieds ou des craquements qui correspondent aux lettres de l'alphabet, mais qu'il existe aussi des guéridons à dessus mobiles avec des lettres en circonférence qui fonctionnent donc comme des roulettes, ainsi que des systèmes de planchettes et de corbeilles auxquelles sont adaptés des stylets qui peuvent former les lettres sur le papier. Plus tard, on aura aussi la planche Ouija, dont vous avez un exemplaire dans la très belle exposition sur Sherlock Holmes. Il y a même aussi une pratique qui met à contribution les chapeaux, technique qui va évidemment prêter à rire. Pour toutes ces pratiques, la présence d'un médium est nécessaire. C'est le membre le plus réceptif du groupe, celui à travers lequel la communication avec les esprits est établie et qui s'adresse en priorité à eux. Allan Kardec définit le médium comme toute personne qui ressent à un degré quelconque l'influence des esprits. Il précise que si tout le monde a cette capacité, il est des individus, je cite, chez lesquels la faculté médianimique est nettement caractérisée et se traduit par des effets patents d'une certaine intensité, ce qui dépend alors d'une organisation plus ou moins sensitive. Les médiums peuvent se plonger dans une sorte d'hypnose, de somnambulisme, qu'on appelle transe. On parle de médium entrancé. Outre le médium, les séances nécessitent la présence d'une personne chargée de noter ce que frappent et disent les tables, c'est-à-dire de tenir le procès-verbal de la communication avec les esprits. Avant de me pencher sur les procès-verbaux, sans doute les plus célèbres du spiritisme, ceux des tables d'outre monde de Jersey, j'aimerais attirer l'attention sur un aspect important. Ce que l'on a retenu en général de la pratique des tables au XIXe siècle, ce pourquoi le phénomène est connu, c'est l'activité de questionnement de l'au-delà, le dialogue avec les esprits, c'est-à-dire la dimension proprement spirit ou spiritiste du phénomène. Or, à l'époque, il existait aussi une autre pratique des tables, tout aussi courante que la pratique spirit, qui consistait simplement à les manipuler, les faire tourner, s'élever, se renverser, danser, et à leur poser des questions, ceci sans volonté de faire intervenir au-delà. Les expérimentateurs qui se livraient à ce genre de manipulation considéraient que les mouvements et messages des tables étaient rendus possibles grâce à un fluide émanant de leur corps et transmis aux objets, fluide ayant à voir avec le fameux magnétisme animal popularisé par Mesmer. Cette conception fluidique des tables, les tables tournantes, est bien représentée par Agénor de Gasparin. Joli nom hein, qui fait penser à un magicien, mais ce n'est pas du tout le statut du personnage. Le comte Agénor de Gasparin était un homme politique français réfugié en Suisse après 1848. C'est l'époux de Valérie de Gasparin, auteur d'un best-seller qui s'intitule « Les horizons célestes ». Alors, ce comte Agénor de Gasparin a publié en 1854 un ouvrage intitulé « Les tables tournantes » où il présente les expériences auxquelles il s'est livré du 20 septembre au 2 décembre 1853 dans son château de Valère, dans le canton de Vaud. Le cœur du livre correspond aux procès-verbaux détaillés de séances dans lesquelles une dizaine de personnes, placées autour de guéridons à trois pieds plutôt pesants, ont pratiqué deux types d'opérations principales. D'une part, le soulèvement de ces guéridons, y compris avec le poids d'un homme de 87 kg sur leur plateau. D'autre part, la reproduction par les coups de nombres qui avaient été pensés par l'un ou l'autre des expérimentateurs et notés secrètement sur un papier. Agénor de Gasparin insiste sur le fait que les différents mouvements des tables, rotation, translation et même danse, je cite, « telle table frappe la mesure avec un pied, avec deux, reproduit exactement le rythme de la musique qui vient d'être chantée.
Tous ces mouvements, pour Agénor de Gasparin, s'opèrent indépendamment de tout contact avec les mains et les doigts des expérimentateurs. Pour le prouver, il a fait plusieurs fois l'expérience de déposer, avec un soufflet à soufre, une couche de farine uniforme sur le plateau de la table, couche restée absolument intacte après le soulèvement de la table, ce qui confirme qu'elle bougeait bien sans aucun contact, sans le contact d'aucune main ni doigt. Gasparin s'efforce de fonder ses observations en détaillant scrupuleusement, et la lecture est assez fastidieuse, les 90 soulèvements et 20 rotations auxquelles il a assisté et en prévoit les objections possibles. Si l'action musculaire peut faire tourner une table, comment pourrait-elle la soulever ? Si les mouvements des tables étaient dus à des fraudes, comment aurait-elle pu échapper plus de 100 fois à la surveillance des témoins ? Car chaque séance impliquait un surveillant agenouillé qui observait le plateau et les pieds de la table. Gasparin précise qu'il n'a fait l'expérience qu'avec des tables, excluant l'usage des bobèches, autre moyen d'interroger les esprits. Les bobèches, c'est des petites soucoupes qui se placent sous les bougies ou les chandeliers. Ni les planchettes, il n'a pas utilisé les bobèches et les planchettes. Grande ressource des gens qui croient aux esprits, écrit-il. Il a également rejeté l'usage du chapeau. Je cite, tout le monde a fait tourner les chapeaux et tout le monde a compris que si la rotation des tables ne peut pas fournir par elle-même un argument solide, celle des chapeaux a bien moins de valeur encore. La volonté de rigueur et la sincérité de l'auteur des tables tournantes forcent le respect, et le lecteur est tenté d'accorder foi aux événements qu'il raconte. Pourquoi, après tout, les phénomènes décrits n'auraient-ils pas eu lieu ? D'autant plus que Gasparin fait preuve d'un certain positivisme. Il refuse l'explication par les esprits et pense qu'on pourrait trouver une explication naturelle au mouvement sans contact des tables. Je cite, « J'affirme qu'il y a un agent et que cet agent n'est pas surnaturel, qu'il est physique, imprimant aux objets physiques les mouvements que détermine notre volonté. » Il ajoute, « Je vois les faits et je ne sais pas les causes, j'ignore. » Il pense que les expériences de Valère n'ont rien à voir avec le miracle ou la magie, mais, je cite, « révèle une loi jusqu'ici inconnue, dont il espère qu'elle sera découverte par la science, comme il en a été pour l'électricité et d'autres phénomènes qui paraissaient magiques au départ. » Et les Grecs, les scientifiques, prennent la peine d'étudier véritablement le phénomène des tables avant de le condamner. Agénor de Gasparin est donc représentatif de cette part importante de la population qui, à partir de 1853, s'adonne aux tables tournantes sans évoquer les esprits et pour laquelle faire bouger les tables et les interroger, par exemple sur l'âge des participants, est au mieux une expérience destinée à tester des pouvoirs inexpliqués qui seraient en nous, et le plus souvent un pur amusement, un jeu de société. La pratique des tables tournantes qu'on rencontre chez les Hugo est tout autre. Loin d'être une activité ludique, c'est un dialogue sérieux, grave avec les esprits, un entretien inquiet avec l'au-delà, marqué par la peur et les risques que comporte une telle confrontation. Mon sac, je sors de mon sac cet ouvrage que vous connaissez peut-être. En 2014, Patrice Boivin a édité dans la collection Folio le livre des tables, sous-titré Les séances spirites de Jersey, et rendu ainsi accessible à un large public les procès-verbaux des séances de table parlante auxquelles s'est livrée la famille Hugo à Jersey
entre 1853 et 1855. Auparavant, nous n'avions que des éditions incomplètes de ces procès-verbaux, qui se trouvent dans des cahiers qui ont connu toutes sortes de vicissitudes. Alors, ils apparaissaient, ils disparaissaient en fonction des ventes et d'exposition aussi. Dans son édition, Patrice Boivin a recueilli tous les procès-verbaux disponibles à ce jour. Il faut préciser que ces textes n'ont pas été connus des contemporains de Hugo, qui ont pu néanmoins en avoir vent à travers le livre d'Auguste Vacry, Les miettes de l'histoire, paru en 1863, et à la fin du siècle par les propos de table de Victor Hugo de Richard Lesclaide et les propos de table de Victor Hugo en exil d'Octave Cusanne. Je rappelle rapidement les circonstances et les modalités du spiritisme hugolien. On sait que c'est Madame de Sévigné aurait pu revenir dans les tables, mais ce n'est pas le cas. Donc Madame de Girardin, c'est elle qui a initié les proscrits de Marine Terrasse aux tables parlantes. Amie de longue date de Victor Hugo, l'ex-muse romantique Delphine Gay, devenue l'épouse du patron de presse Émile de Girardin, vint en effet une dizaine de jours à Jersey en septembre 1853, à un moment où, d'après Auguste Vacry, elle était très préoccupée de table parlante et passait ses soirées à évoquer les morts. Elle était aussi gravement malade, elle est morte une année après, elle avait un cancer, et donc ça explique aussi, c'est son état, cette mort imminente, explique aussi son rapprochement avec le monde de l'au-delà. À peine débarquée à Jersey, Madame de Girardin essaie de convertir ses amis aux tables, mais elle se heurte au scepticisme des habitants de Marine Terrasse, qui, d'après Vacry, avait d'ailleurs déjà essayé de faire tourner les tables, mais sans succès, apparemment. Les premières manipulations de tables ne donnent rien. Alors, Madame de Girardin va acheter dans un magasin de jouets d'enfants de Saint-Hélier une petite table ronde à un seul pied, terminée par trois griffes, qui fut posée sur une grande table. Mais cette petite table ne bouge pas non plus. Et c'est seulement l'avant-veille de son départ, le dimanche 11 septembre 1853, que la petite table se met à frapper des coups. Le système de traduction des raps était celui communément utilisé dans les réunions spirites. D'après le témoignage de Vacry, on nommait une lettre de l'alphabet A, B, C, etc. à chaque coup de pied de la table, quand la table bouleverse l'auditoire et entraîne la lésion. Et à partir de ce moment, et jusqu'en juillet 1855, c'est-à-dire pendant près de 2 ans, les habitants de Marine Terrasse se livrèrent au spiritisme de façon obsessionnelle, interrogeant les tables chaque soir jusque tard dans la nuit, mais aussi dans la journée, et souvent le matin déjà. Généralement, Charles, donc un des fils Hugo et Madame Hugo a posé leurs mains sur les guéridons, Charles ayant été reconnu à la fois par les participants et par les tables comme le meilleur médium du groupe. Et Auguste Vacry prenait note de la dignité des tables, mais d'autres assistants pouvaient le remplacer et prenaient parfois aussi des notes de leur côté. L'auditoire était composé en outre de Victor Hugo, de François Victor, notre fils, et d'Adèle, une des filles, noyau auquel s'ajoutait à l'occasion le général Flo, Guérin, Téléki, Durieux et d'autres proscrits. Quels sont les esprits qui parlent à travers les tables? À Léopoldine succède Napoléon III, ce qui n'est pas étonnant dans la mesure où il obnubile les pensées des exilés. Mais ça peut paraître anormal à considérer que les tables sont censées mettre en communication avec les morts. Il est donc possible que les esprits des vivants nous répondent, remarque celui qui s'adresse à la table. Et Louis Napoléon d'expliquer que son esprit est présent en rêve, qu'il souffre de son rêve et désire expier son crime.
lui semble normal, alors Napoléon III, hein, qui surgit pour expier son crime, et qui se dévalorise devant tout le monde, ce qui est quand même bizarre. En revanche, il semble plutôt normal que juste après Napoléon, le premier écrivain à se manifester soit Chateaubriand. La voix de l'auteur des Mémoires d'outre-tombe est prioritaire, évidemment. Ensuite, des interlocuteurs variés s'enchaînent. On peut les répartir globalement en une dizaine de catégories. Il y a des personnages historiques, Hannibal, Napoléon, Napoléon le Grand, Robespierre, Marat, Charlotte Corday, Alexandre, Louis-Philippe, des philosophes, Socrate, Platon, Aristote, Diogène, Machiavel, des fondateurs de religions et des figures religieuses, Jésus-Christ, Moïse, Mahomet, Luther, Josué, Jacob, Abel, Caïn, Judas, mais aussi l'ânesse de Balaam, le lion d'Androclès, des musiciens, Mozart, Cimarosa, un peintre, Raphaël, et bien sûr, beaucoup d'écrivains, Échille, Aristophane, Ésope, Anacréon, Apulée, Dante, Shakespeare, Racine, Molière, Diderot, Rousseau, Voltaire, André Chénier, Byron, Walter Scott, etc. Les dames font aussi parler des entités géographiques, la Russie, l'Inde, et surtout des entités abstraites, des genres littéraires, la comédie, le drame, la tragédie, le roman, la critique, la poésie, des concepts, la gloire, l'idée, la rêverie, la civilisation, le bonheur, la métempsychose, la mort, ou encore des sortes d'allégories qui conjuguent l'abstraction et la métaphore, l'ombre du sépulcre, l'aile blanche, le portier sombre, le doigt de l'amour. Après cette longue énumération, enfin je... Les instances qui interviennent dans les séances de table parlante ne font pas que répondre à des questions métaphysiques ou politiques. Hein. Questions métaphysiques sur l'échelle des êtres, la métempsychose, etc. Questions politiques, le sens des révolutions, l'avenir du Second Empire, etc. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elles se livrent aussi, les instances qui parlent dans les tables, se livrent aussi à un intense travail littéraire. Le lion d'Androclès, l'ombre du sépulcre, la poésie et Chénier, de même que Shakespeare, Molière et Échille, dictent de longs poèmes en vers. Chénier est invité à terminer l'Idylle 12 et d'autres vers restés inachevés à cause de sa décapitation. Non seulement, ce qui est intéressant, c'est que non seulement les auteurs qui s'expriment à travers les tables composent à longueur de séance, mais ils doivent aussi travailler leur texte. Vacry et Hugo épingle dans les vers composés par André Chénier, telle mauvaise transition, une soudure faible et insuffisante, ou des répétitions qui obligent l'esprit du poète à se corriger, à proposer de nouvelles versions, et même à négocier certains vers avec Hugo. Ce qui frappe le lecteur, évidemment, c'est que tous les esprits font du Victor Hugo. Que ce soit Échille, Shakespeare, Molière ou Chénier, on retrouve en effet des quatrains d'Alexandrin tout à fait dans le style du poète des contemplations. Hugo s'étonne d'ailleurs de voir apparaître des idées, des expressions et des images déjà utilisées par lui dans des poèmes inédits, et peu à peu il se met à craindre une possible concurrence des tables. À l'inverse, il s'émerveille de trouver confirmation par les voies de l'au-delà de certaines de ses théories. S'il s'interdit d'utiliser les vers dictés par les esprits, sa poésie en est fortement marquée. Ainsi, des poèmes comme « La bouche d'ombre » doivent évidemment être rapprochés du discours de l'ombre du sépulcre pour prendre tout leur sens. Entre la parole des tables et la poésie de Victor Hugo, s'opèrent des échanges qui ont été mis en évidence par la critique hugolienne, laquelle a montré ce que la production des tables devait à la poésie de Hugo, mais aussi combien réciproquement la poésie des tables, la production des tables devait
mais aussi combien réciproquement la poésie d'État avait favorisé la conversion de Hugo à une poésie nouvelle. Comme l'écrit Jean Baudon, qui remarque également, le spiritisme représente une libération, la porte ouverte à tous les souffles, le déferlement des images les plus terrifiantes, l'autorisation donnée à Victor Hugo de devenir enfin lui-même dans la terreur et le tremblement sublimé par la création. À l'évidence, on a affaire à une sorte de ventriloquie. Hugo parle à travers les tables ou à travers Charles, le médium le plus efficace, dont on peut imaginer qu'il est dans un rapport mimétique à son père et qu'il le pastiche à travers le discours des tables. Le simple fait que l'esprit de Shakespeare soit si présent montre en tout cas à quel point le fils qui est en train de traduire le théâtre de Shakespeare et le père qui va écrire un essai sur lui, William Shakespeare, sont impliqués plus ou moins inconsciemment dans l'édité. Au contraire d'Agénor de Gasparin, qui pensait que tout était dans les expérimentateurs, il écrivait le fluide dans les personnes et non dans les meubles, Hugo pense que les esprits sont dans les tables. Dans son journal de l'exil, Adèle Hugo rapporte ce propos de son père, « Il y a un esprit dans la table, cela est hors de doute. » En revanche, Hugo a des doutes sur l'identité réelle de ses interlocuteurs d'outre-tombe. Kessler, un des participants, rapporte « Monsieur Victor Hugo a dit que la présence d'un tiers dans la table lui était absolument démontrée, mais il ne lui était pas démontré que ce tiers fut toujours le personnage sous le nom duquel il se présentait. » Lors de la séance du 24 janvier 1854, Hugo demande à l'esprit de la table « Quoi que tu nous aies dit d'admirables vers, permets-moi une question. Tu entends nos paroles, tu vois notre pensée, tu sais que tout en étant profondément et religieusement convaincu du mystère auquel nous assistons, il nous arrive de douter de l'identité absolue et réelle des personnages qui nous parlent. Vous qui êtes lumière, bonheur et bienveillance, possédez-vous dans le monde où vous êtes un moyen de nous convaincre complètement que vous êtes bien les personnages dont les noms, sous les noms desquels vous nous parlez ? » Il croit alors s'adresser à Shakespeare. Mais c'est l'ombre du sépulcre qui lui répond. Il faut dire que si les esprits obéissent en général aux injonctions des spirites, ils n'en font aussi qu'à leur tête, venant ou revenant quand on ne les attend pas, ou ne venant ou revenant pas quand on les attend, répondant parfois à côté, dictant n'importe quoi. Ainsi, le lion d'Androclès les salue en disant « Bonjour, imbécile. L'océan les traite de crétins » et précise « Votre flûte trouée de petits trous comme le cul d'un marmot qui chie me dégoûte. Faites-moi un orchestre, je vous ferai un chant. » Et c'est un formulé typiquement les familiers de Hugo ont reconnu la syntaxe et la phraséologie. Lorsqu'on lit le livre des tables, on sourit parfois de certaines situations dont se dégage un humour involontaire. C'est par exemple Charles Hugo qui s'adresse au drame pour qu'il demande à Shakespeare de remettre au lendemain le rendez-vous prévu pour 9h, car il a une affaire qui le force à sortir. Et le drame accepte de transmettre le message. C'est Shakespeare lui-même qui, tel un médecin, donne rendez-vous à ses interlocuteurs. « Quand reviendras-tu ?»« Mardi à 9h. » Auguste Macri relève d'ailleurs l'aspect quelquefois comique des échanges avec la table. Elle était le plus souvent grave et magistrale, mais par moments spirituelle et même comique. Mais il arrive à Hugo de s'irriter devant une table qui semble moqueuse, qui dicte « Ah, 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 ah », puis s'agite sans répondre. « Tu dois être une mystification. Qui que tu sois, si tu n'es pas sérieux, tu es stupide. La blague dans le tombeau, c'est hideux. » Vacry, quant à lui, fait preuve d'une certaine auto-ironie lorsqu'il évoque l'initiation des habitants de Marine Terrasse
par Madame de Girardin, il note que l'initiatrice, à peine le dîner de son premier soir terminé, je cite, entraîna un des convives dans le parloir où ils tourmentèrent une table, qui resta muet. Le terme de tourmenter, en tout cas, l'auto-ironie. Alors, si les tables peuvent se moquer de ceux qui les font tourner, et si les adeptes du spiritisme eux-mêmes ont parfois un regard ironique sur leurs manifestations, on ne s'étonnera pas que ces dernières soient la cible d'un feu nourri de moqueries de la part des non-initiés. Dès que le phénomène des tables tournantes est apparu, il a engendré un immense débat, comme je l'ai déjà dit, suscitant nombre d'ouvrages, polémiques et d'innombrables articles dans la presse. Je ne vais pas parler de ce débat qui impliquait des scientifiques, des philosophes, des théologiens, s'efforçant de fonder ou de réfuter le spiritisme, mais je vais me pencher sur le discours satirique qui a accompagné ce débat et examiner quelques productions littéraires qui sont surprises à la pratique des tables tournantes. Pour introduire à la satire du spiritisme et en percevoir les enjeux, rien de mieux qu'un petit détour par les caricatures de l'époque. En 1853, l'année même de la déferlante des tables tournantes, Daumier publie dans Le Charivari une série qu'il intitule La Fluidomanie. Alors ce titre est déjà intéressant, car il montre que le caricaturiste juge la pratique des tables si répandue et obsessionnelle qu'il en est devenu une manie, une folie collective. D'autre part, ce titre montre que Daumier considère le phénomène des tables tournantes plutôt comme une affaire de fluide que comme la manifestation des esprits. Dans ses caricatures, il charge le trait pour ce qui, dans la pratique des tables, peut paraître ridicule vu de l'extérieur. Alors, première chose, on voit bien, oui, vous arrivez à lire le. Première chose qui est épinglée par Daumier, c'est la durée des séances spirites. Il ne se passe rien, et quelqu'un baille, c'est vraiment un lieu, les gens sont concentrés, ne bougent pas, il y en a un qui s'endort. Et l'idée que certaines personnes, alors c'est la légende, que certaines personnes puissent déranger le fil des participants. Il se moque aussi de la pratique frénétique du spiritisme, dans tous les milieux et à tout moment. Ainsi que l'usage des chapeaux. Vous voyez, là, les employés du notaire se servent d'un chapeau pour faire parler des esprits, mais c'est une pratique tout à fait courante. Ça paraît bizarre, mais ça faisait partie de l'arsenal du petit spirit. Plutôt là, du fluidomaniaque. Les tables, il se moque aussi des tables prises de mouvements incontrôlables. Les tables qui tourne rapidement en renversant tout. Vous voyez derrière, vous avez une médium entrancée. Et la posture des gens qui font tourner les tables est aussi l'objet de moqueries. Vous voyez encore là un médium tout à fait extatique. Une promiscuité des participants propice à certains attouchements. L'obstination à faire tourner les tables à toute heure du jour et de la nuit. Alors, c'est toujours une dame qui proteste parce que son mari est obsédé par les tables tournantes et veut faire. Enfin, là, il s'agit d'un guéridon. Les différents objets qu'on fait tourner. Alors il y a des tables, vous voyez qu'il y a une montre ici, on s'occupe aussi de. On prend des montres, là c'est la table, et même on fait tourner les personnes. Également on fait tourner une clé, un chat, n'importe quoi, on fait tourner n'importe quoi.
quoi. Une clé, un chapeau, le chapeau, il est là aussi, vous voyez. Là, il ne tourne plus, il s'est carrément envolé. Et le phénomène de la danse des tables aussi, qu'on a rencontré chez Agénor de Gasparin. Bon, ça, c'est encore une... Voilà, je vais passer assez vite. Alors, le jeu de société qui consiste à interroger les tables sur l'âge des participants. Alors, ça pose toujours problème, l'âge des participantes, qui s'en offusent. Enfin, vous voyez, la dernière caricature de la série se moque de l'universalité du phénomène des tables tournantes. La planète entière ne pense qu'à ça. En 1865, Daumier publie dans le Charivari une autre série de caricatures intitulée « Les spirites », où la pratique des tables apparaît cette fois sous son jour spirit. Alors j'ai retenu deux caricatures. On voit dans cette caricature un bourgeois se targuer que sa fille médium entre en communication avec l'esprit de Dante. Et à l'arrière-plan, la jeune fille renversée dans une posture entrancée, vous voyez, la tête en arrière, là, et entourée de messieurs graves qui observent. Enfin, c'est un bourgeois qui se relève au milieu de la nuit parce que sa table tournante l'a appelé par les raps. Comme on peut le constater, plutôt qu'aux fluides ou aux esprits en eux-mêmes, la satire de Daumier s'en prend à ce phénomène de société que représente la pratique des tables, avec tout ce qu'il révèle de grégarisme, de soumission au mode, tantôt le fluide, tantôt les esprits, et surtout de crédulité. On retrouve cette dénonciation dans un certain nombre de vaudevilles de l'époque. Il y en a eu une quinzaine entre 1853 et la fin de siècle. Dans un de mes essais sur les fantômes, dans l'essai Fantômes, esprits et autres corps vivants, j'ai consacré un chapitre à l'un de ces vaudevilles, et celui écrit en collaboration par Champfleury et Mirecourt, La table tournante, représentée au théâtre des variétés en mai 1853, toujours l'année où la vogue des tables tournantes prend son essor, bat son plein. Champfleury et Mirecourt, dans ce vaudeville, mettent en scène un bourgeois, rentier, amateur d'invention, qui s'est entiché du fluide magnétique et force sa famille à constituer une chaîne électrique pour faire les tables. Chalamel a une fille à marier, mais le jeune homme qu'elle veut épouser, Eustache Plumel, est congédié par son père car il a eu l'audace de se moquer des tables tournantes. Le bourgeois lui préfère un inventeur, Coquille, intéressé par la fortune de Cécile. Mais le prétendant est conduit, revient à la charge et montre qu'il peut faire tourner une table alors que le cercle réuni par Chalamet n'était pas parvenu malgré de laborieux efforts. En fait, Plumel s'est servi d'un dispositif inventé par Coquille pour faire tourner la table, un ressort secret qu'il suffit d'actionner. Coquille s'aperçoit de cette usurpation et reprend la main en actionnant d'autres dispositifs de la table, ce qui lui permet du coup de reprendre la main de la fille. Mais un piège tendu par Plumel révèle que l'inventeur ne la convoite que pour sa dot. Confondu, Coquille doit quitter la famille. Champfleury et Mirecourt veulent dénoncer la crédulité et le suivisme de la société de leur époque, comme je l'ai déjà dit. Chalamel est en effet victime de toutes les modes du moment. Après s'être intéressé au somnambulisme, il est saisi par la mode des tables tournantes, qui s'explique pour lui par le fluide magnétique. Mais les deux auteurs suggèrent aussi que le phénomène des tables peut trouver une explication plus simple. Les procédés ingénieux de mystification du public par d'habiles charlatans ou prestidigitateurs. Et on retrouve chez Champfleury et Mirecourt des éléments qui, dans la pratique des tables, prêtent au ridicule et qu'on a rencontré dans les caricatures de Daumier. L'âge des participantes, indiscrètement révélé par les coups
de la table, Madame Charamel s'en offusque, ou le chapeau appelé à tourner à la place de la table. Dans le vaudeville de Jean Fleury et Mirecourt, la satire s'en prend à la pratique fluidique des tables, pour reprendre l'expression d'un gênant de Gasparin. Je vais examiner maintenant des textes littéraires qui se moquent des tables censées faire parler les esprits. Alors, je citerai d'abord un poème satirique d'Auguste Barbier, intitulé « Une soirée d'esprit » et publié dans ses satires et chants. Barbier y met en scène un groupe d'adeptes qui entrent en communication avec Jeanne d'Arc, Saint Paul, Moïse et Fénelon. Rien que cela, commente-t-il. Or, des augustes bouches de cette phalange sacrée, il ne sort que discours incohérent et louche, sans ton plat, lieu commun, sans style et sans couleur, indigne de ces gens de génie et de cœur. Le poète satiriste met le doigt sur un des arguments clés des textes qui se moquent du spiritisme. L'idée que la communication des esprits des grands hommes et des écrivains qui parlent à travers les tables n'est pas à la hauteur, qu'elle est insuffisante du double point de vue, du contenu et de la forme, et qu'il y a ainsi une vulgarité, un terre-à-terre des messages qui trahit l'origine terrestre du discours prêté aux esprits. La satire de Barbier dénonce aussi la prétention des adeptes du spiritisme, qui ne se gênent pas pour convoquer les plus grands hommes et les saints à leur table. On retrouve ce motif satirique dans le conte de Noël de Dickens, « La maison hantée », dont le narrateur raconte un voyage en train dans le même compartiment qu'un frappeur. C'est-à-dire un monsieur qui entend des raps d'esprit et les enregistre dans un carnet. Ce frappeur annonce au narrateur que les esprits présents dans le wagon sont au nombre de 17 479 et qu'il y a parmi eux Pythagore, Galilée, Monseigneur Butler, Milton, etc. Je crois qu'il y a quelques minutes. Je vais vous parler d'une satire importante et qui me fait beaucoup rire, celle qu'on trouve chez Flaubert dans Bouvard et Pécuchet. Ce roman qui met en scène de personnages qui essaient de toutes les sciences et de tous les savoirs de leur siècle, hein, et qui échouent dans tout. Alors évidemment, ils se confrontent à un autre phénomène. Alors c'est dans le chapitre 8 de Bouvard et Pécuchet, et ça ne concerne pas que le spiritisme. Hein. C'est une traversée de toutes les sciences occultes du 19e siècle à laquelle Flaubert nous convie. En se rendant à l'auberge pour acheter du vin d'Espagne, Bouvard croise des hommes en train d'y ramener une dame de noyer dont il apprend qu'elle s'est parfaitement conduite. Il découvre ainsi, tout à fait par hasard, la mode nouvelle des tables tournantes. En présentant cette mode, Flaubert semble se souvenir d'une caricature de la fluidomanie que nous avons vue. Je cite, « Par toute l'Europe, en Amérique, en Australie et dans les Indes, des millions de mortels passaient leur vie à faire tourner les tables. » Et de préciser que pour Chavignol, le village où habite Bouvard et Pécuchet, les esprits frappeurs avaient débarqué au château de Faverges, de là s'étaient répandus dans le village et le notaire principalement les questionnait. Comme Bouvard reste sceptique, c'est Pécuchet qui se rend à une des séances organisées par le notaire et réunissant quelques bourgeois de Chavignol. 12 invités prirent place autour de la table, les mains étendues, les petits doigts se touchant. On n'entendait que le battement de la pendule. Les visages dénotaient une attention profonde. Au bout de 10 minutes, plusieurs se plaignirent de fourmillements dans les bras. Pécuchet était incommodé. « Vous poussez !» dit le capitaine à fourreau. « Pas du tout. Si fait. Ah, monsieur !» le notaire est calma. À force de tendre l'oreille, on crut distinguer des craquements de bois. Illusion, rien ne bougeait.
L'autre jour, quand on avait emprunté exprès la table de la chambre, tout avait si bien marché. Mais celle-là, aujourd'hui, montrait un entêtement. Pourquoi ? Le tapis, sans doute, la contrariait. Et on passa dans la salle à manger. Le meuble choisi fut un large guéridon où s'installèrent Pécuchet, Girbal, Madame Maresco et son cousin, M. Alfred. Le guéridon, qui avait des roulettes, glissa vers la droite. Les opérateurs, sans déranger leur doigt, suivirent son mouvement et de lui-même, il fut encore deux tours. On fut stupéfait. Alors M. Alfred articula d'une voix haute « Esprit, comment trouves-tu ma cousine ?» Le guéridon, en oscillant avec lenteur, frappa neuf coups. D'après une pancarte, le nombre des coups se traduisait par des lettres, cela signifiait « charmante ». Des bravos éclatèrent. Puis Maresco, taquinant Madame Bordin, somma l'esprit de déclarer l'âge exact qu'elle avait. Le pied du guéridon retomba 5 fois. « Comment, 5 ans ?» s'écria Girbal. « Les dizaines ne se comptent pas, » reprit Foucault. La veuve sourit, intérieurement vexée. Les réponses aux autres questions manquèrent, tant l'alphabet était compliqué. Mieux valait la planchette, moyen expéditif, et dont Mademoiselle Laverrière s'était servie pour noter sur un album les communications directes de Louis XII, Clément Cizor, Franklin, Jean-Jacques Rousseau, etc. Enthousiasmé par cette séance, Pécuchet réussit à convertir Bouvard et les deux cloportes se lancent dans le spiritisme, mais sans jamais parvenir à faire bouger leur table en dépit de 15 jours de tentatives. Ils se jettent alors dans le magnétisme, supposé expliquer le phénomène des tables en deçà des esprits, et le magnétisme est conduit à des expériences d'hypnose et de guérison par le fluide, expériences qu'ils pratiquent sur leur bonne, sur toutes sortes de patients, et même sur une vache. S'inspirant depuis Ségur, il magnétise à Poirier, prouvant de façon douteuse la lucidité magnétique et la vision à distance, puis reviennent au spiritisme à travers la lecture d'Alan Kardec. Il se mortifie pour avoir des visions, évoque les morts suivant le rituel d'Eliphas Lévi, mais naturellement, et comme d'habitude, tout rate. La satire flaubertienne, qui est assez tardive, synthétise les éléments qui sont source de moquerie à propos de la pratique des tables. Touchant à la fois ses aspects spirites et fluidiques, elle enraille le caractère planétaire et effréné. On ne fait plus que ça. Les résultats aléatoires et illusoires. L'inanité des questions posées aux esprits. Le dialogue sans complexe instauré avec les grandes figures de l'histoire et de la culture. Mais Flaubert caricature aussi la naïveté de l'idéologie utopiste qui accompagne le spiritisme. Je cite, « Le spiritisme pose en dogme l'amélioration fatale de notre espèce. La Terre un jour deviendra le ciel. Comment la seule volonté agirait-elle sur de la matière inerte ? Un bavarois, dit-on, mûrit les raisins. Monsieur Gervais a ranimé un héliotrope, un plus fort à Toulouse écarte les nuages. » Flaubert se moque des pseudo-révélations apportées par le spiritisme. Je cite, « On découvrait la manière de rendre les sereins prophètes, de donner des concerts sans instruments, de correspondre aux moyens des escargots. » Et ça, c'est une autre histoire, c'est une super chanson de l'époque, le journaliste Jules Alix, qui prétendait qu'une communication télépathique était possible grâce aux antennes des escargots. Je citerai encore Baudelaire, qui est du même avis que Flaubert. Il écrit dans le canevas des lettres d'un atrabilaire, « Le siècle, ma passion pour la sottise, utilité des mauvaises lectures, Balzac, les journaux et les tables tournantes, lumière des tables, lumière des journaux. » Cette réflexion suggère qu'il voit les tables non seulement comme une affaire de crédulité, mais encore de bêtise. La sottise des tables n'aurait d'égal que celle de la presse et du public, lequel attend stupidement des révélations de l'une et des autres. Dans Mon corps mis à nu, Baudelaire écrit, je cite, que la vraie civilisation n'est pas dans le gaz, ni dans la vapeur,
ni dans l'état de tourmente, mais dans la diminution des traces du péché originel. Alors, là, Baudelaire semble assimiler l'état de tourmente aux innovations techniques telles que le gaz et la vapeur. Et c'est vrai que comme le bateau à vapeur, le spiritisme est en effet un moyen nouveau et moderne de communication avec les morts. Et Baudelaire semble dénoncer la fausse civilisation que représente le gaz à vapeur à l'état de tournante pour un monde qui a besoin d'une autre sorte de rédemption. De ce point de vue, on peut dire que Baudelaire s'oppose totalement à Hugo, qui, comme vous le savez, croit au gaz, à la vapeur, en son travailleur de la mer, et à la transcendance d'état de tourmente. Alors, j'arrive bientôt à la fin, ne vous inquiétez pas, je parlerai encore un petit peu de la fin de siècle, de la fin du 19e siècle, où la recrudescence du spiritisme fait qu'on observe plusieurs autres satires sur le sujet, et je terminerai en en donnant deux exemples. Le premier est une nouvelle de Marcel Schwob, intitulée « Spiritisme » et recueillie dans « Cœur double ». Invité dans un cercle spirit, le narrateur y rencontre des individus à la mine excitée, regroupés autour d'un médium qui s'appelle Monsieur Médium, et s'avère être un de ses anciens camarades de collège. La technique spirite utilisée est à la fois le guéridon et une soucoupe renversée marquée des lettres de l'alphabet. Quand le narrateur demande à entrer en communication avec Gerson, un théologien du Moyen-Âge, la table se met à dessiner, je cite, « l'assortiment de signes le plus hétéroclite qu'il ait jamais vu ». Quand il interroge Gerson sur l'année de sa mort, elle exécute, je cite, « une série de sauts de mouton sur ses pieds de devant » et frappe le plancher d'une manière prodigieuse de ses pieds de derrière. Et le médium enregistre 2255 coups qui indiquent que Gerson est mort depuis 451 coups. Quand le narrateur demande encore à Gerson s'il est bien l'auteur de l'imitation de Jésus-Christ, la table répète « butor, butor, butor ». Dès lors, je cite, dès lors, il se produisit un effroyable vacarme. La table se cabra, les chaises tournoyèrent sur un pied, le guéridon exécuta une sarabande et la soucoupe, évoluant avec habileté, vint aplatir le nez de différents membres du cercle. Mais le narrateur n'est pas au bout de ses surprises. Alors qu'il héberge son ancien camarade, M. Médium, son guéridon de nuit se met à tourner et, malgré les caresses et appels au calme du spirit, vole contre les vitres. Le médium envoie le guéridon se fracasser dans la rue, fait la même chose avec les autres meubles du narrateur, puis, après avoir giroyé lui-même, donc le médium, après avoir giroyé lui-même comme une table, se défenestre à son tour. Conclusion du narrateur. Je suis heureux de pouvoir prier les cercles spirites par la voie de ce papier, d'expédier dorénavant leurs invitations ailleurs que chez moi. Mon second exemple est une chronique de Charles Cros, intitulée « L'évocation des endormis », qui est parue dans le numéro du Tout Paris du 13 juin 1884. Elle raconte aussi une séance de spiritisme, mais ce spiritisme ici a la particularité de s'appliquer à des vivants, plutôt que d'évoquer les morts. Le médium de la séance à laquelle le narrateur assiste fait venir, ou on ne peut pas dire fait revenir, les âmes de contemporains captées dans leur sommeil. Ce soir-là, Mademoiselle Chamoisseau convoque ainsi Xavier Marnier, qui curieusement titre à Pérou, de Riga à Elsener, puis Messieurs de Quatre Phages et Monsieur Trois Pointes, tous deux rédacteurs à la Revue des Deux Mondes, dont on lit des fragments rébarbatifs par leur technicité scientifique et administrative. Enfin, à défaut de Zola, qui est en train de travailler et qu'on peut donc solliciter dans son sommeil, le médium évoque Victor Hugo, qui livre un poème consacré à la chute de Satan. Le narrateur conclut sa chronique en demandant à ses auteurs d'authentifier les textes que le médium leur a attribués, s'ils reconnaissent les avoir rêvés.
Ainsi, je cite, des faits positifs seront établis pour la première fois dans l'ordre des idées mystiques où le sentiment était jusqu'alors celui guide. Le lecteur se doute bien que ces textes sont autant de pastiches des auteurs concernés. Et la satire de Charles Cros repose sur cette prise de conscience. Il nous suggère que les textes soi-disant dictés par les esprits des grands hommes, des saints ou des écrivains, sont des pastiches et des apocryphes. Oui, alors vous trouvez, si vous voulez, c'est toujours le problème. Charles Cros raille son ami Crédule de, je cite, lui apporter tous les jours des réponses de Socrate, d'Hannibal, de Viking, Wiki, etc. Réponses où tous ces braves gens parlent comme des bandagistes. On peut se demander si Charles Cros ne vise pas particulièrement Hugo et l'État de Jersey, mais c'est une autre question, je passe. L'idée que les procès-verbaux hugoniens ne sont rien d'autre que des pastiches a du reste été mise par deux spécialistes du genre, Léon Defoux et Pierre Dufay, lesquels remarquaient à propos des procès-verbaux publiés par Gustave Simon dans l'État du tournant de Jersey, je cite, qu'ils nous initiaient aux pastiches de l'au-delà, et de préciser, avant toute dame de famille, si elle faisait parfois le chénier, le Hugo leur était plus familier. Charles Hugo fut parfois bien s'amuser à écrire sur leur dignité. Si Marcel Schwab et Charles Cros ridiculisent le discours d'un théologien du Moyen-Âge et de deux écrivains contemporains à travers des pastiches destinés à faire la satire du spiritisme, ce n'est pas la pratique courante de l'époque. Ce qu'on rencontre le plus souvent, dans des périodiques comme la Revue Spirit et dans des recueils, c'est la reproduction sérieuse, à lire au premier degré, de discours de personnages historiques ou d'écrivains qui parlent à travers les tables ou une dictée à des médiums, et dont celles et ceux qui les publient se donnent pour les destinataires. Alors, je pourrais citer d'autres exemples, mais il y a par exemple la comtesse Pileville qui publie en 1904 sous le pseudonyme de Charles Dorino des contes de l'au-delà sous la dictée des esprits, où elle recueille, soi-disant, les récits posthumes de Gautier, Renan, Balzac, Maupassant, Zola, Feuillet, Lamartine, Dumas, Dickens et Pouchkine. Quand on examine leurs textes, on s'aperçoit que la comtesse fait parler ses auteurs dans de mauvaises imitations, prolixes, alambiquées, sentencieuses, qui montrent qu'il ne peut s'agir de dictées de leurs esprits, sauf à considérer qu'ils auraient perdu tout talent en passant dans l'au-delà. À ce propos, Conan Doyle, pour en revenir à lui, dans la Nouvelle Révélation, parle de, je cite, tous ces Milton incapables de versifier, ces Shelley de rimer, ces Shakespeare de penser, et tant d'autres personnifications absurdes qui ridiculisent notre cause. Acquis au spiritisme, Conan Doyle déplore en effet le foisonnement de textes qui sont des pseudo-dictées de l'au-delà, des pastiches maladroits et de piètre qualité qui portent atteinte à la crédibilité de la cause spirite, dont on sait qu'il attend une nouvelle révélation. Je vais conclure. Si je prends un peu de recul et que je pense aux relations entre littérature et spiritisme au XIXe siècle, siècle d'or du spiritisme, j'observe que nous avons surtout affaire à des textes littéraires qui se moquent du spiritisme ou de la pratique fluidique des tables. Des vaudevilles comme ceux de Champfleury et Mirecourt, un poème satirique, un passage de Bouvard et Pécuchet, des contes et nouvelles de Charles Dickens, Marcel Schwab et Charles Cros. Certes, on peut leur opposer le livre des tables de Victor Hugo, mais les procès-verbaux des séances spirites de Jersey n'étaient pas destinés à la publication. Quand le spiritisme est pris en compte par la littérature, c'est ponctuellement, et il est traité sur le mode de la dérision. Dans Les Voix d'Outre-Tombe, Guillaume Cuchet remarque, je cite, « Le spiritisme n'a jamais bénéficié de l'appui d'un grand écrivain qui aurait pu lui donner ses lettres de noblesse. »
comme l'occultisme plus tard a trouvé huit sens. Il faut nuancer ce jugement. Il y a quand même Théophile Gautier et son petit roman Spirit, mais il n'y est jamais question de table tournante, et le héros n'y fait qu'écrire seul sous la dictée d'un esprit. Il y a aussi la pièce de Victorien Sardou, Spiritisme, mais la pratique spirit y joue un rôle secondaire, et Victorien Sardou n'est pas un écrivain d'envergure. Il est symptomatique, en tout cas, qu'un grand écrivain comme Maupassant, qui a écrit tant de récits fantastiques, n'évoque jamais le spiritisme, et encore moins l'étape tournante dans toute son œuvre. Tout se passe comme si le spiritisme, et en particulier l'usage, l'étrange pratique d'étape tournante, à la fois spectaculaire et énigmatique, ridicule et effrayante, était un sujet maudit. Il méritait donc qu'on en parle dans le cadre de ce salon. Merci de votre attention. Sérieusement, enfin, quel œil peux-tu porter objectivement sur les communications de Gerzel? Qu'est-ce que ça apporte de plus sur, disons, l'étude de l'œuvre de Hugo? Est-ce qu'on peut vraiment y jeter un œil objectif? C'est difficile de répondre, évidemment, parce que c'est de Hugo sans être de Hugo, c'est un travail collectif d'écriture, en somme. Et c'est une logorée infinie. Hein. Il y a vraiment à boire et à manger, mais c'est surtout assez fiévreux. J'ai fait un chapitre de mon essai Fantôme, Esprit et autrement vivant sur les tables tournantes et surtout sur le discours théâtral. Alors il y a des pièces qui sont écrites par Shakespeare, par le drame, et en fait elles sont grande faiblesse. Hugo n'a jamais écrit ça. Maintenant, je crois qu'un hugonien doit quand même tenir compte de ces procès-verbaux, de ce gros volume du Veneta, parce que c'est une chambre d'écho, une caisse de résonance pour l'œuvre de Hugo. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'idées qu'on retrouve ailleurs. Il y a des passages qui font penser à William Shakespeare que Hugo rédige à ce moment-là. Donc, il y a des passages possibles avec le Rasolet qui éclairent, le livre des tables éclaire certaines parties de l'œuvre. Voilà, donc il ne faut pas les négliger, mais il ne faut pas les prendre trop au sérieux. Et puis surtout, ce n'est pas très excitant à lire.